Les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Certains parleraient de coup de chance, je préfère évoquer un éclair de génie.
Je ne devrais pas être surpris par mes propres capacités de déduction. Magnifique. Je ne devrais pas être surpris par mes propres capacités de déduction. Les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Certains parleraient de coup de chance, je préfère évoquer un éclair de génie. Je vous dirai tout ce que vous voudrez pour prouver mon innocence. Oui, encore une chose que je devais faire. J'ai bien peur qu'il ne soit plus dans l'état où je l'ai récupéré. À la demande de qui? Lizzie m'avait demandé cette faveur. Ça ne me dérangeait pas. Merci. Je tiendrai compte de tout ce que vous m'avez dit. Certainement, monsieur l'agent. Le salon? Un paquet? Oui, difficile de ne pas le voir. Oh, je devais avoir la tête dans les nuages. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider. À part la grosse averse? Non. Je me suis levée, j'ai commencé à m'occuper de mademoiselle. J'avais préparé une robe. Je l'ai aidée à s'habiller et à se préparer avant de ranger la chambre. Et le bracelet était encore là quand vous avez quitté la pièce pour le petit déjeuner. J'en suis sûre. Je suis descendue avant mademoiselle Angeline. Si, monsieur l'agent.
Je l'ai égaré après avoir nettoyé une tache sur la manche de Mademoiselle Angeline au petit déjeuner. Quel détective vous faites ? Vous n'êtes pas la première à le remarquer. Ne s'en était-elle pas rendue compte ? J'imagine que madame n'est pas du genre à laisser passer la moindre imperfection. Ça me surprend qu'elle ne l'ait pas vue. Quelle chance que je m'en sois rendue compte avant madame, vraiment. Madame est très tendue. Ça n'a pas dû être facile pour elle de perdre son mari et d'élever seule mademoiselle. Elle s'emporte facilement. Et ce matin, on dirait que c'est ce qui s'est produit. Ce n'est pas la première fois que j'assiste à un tel traitement. Je déteste ça. Comme je vous le disais, madame n'a pas eu la vie facile. Ce matin, madame a réprimandé Florette comme jamais. C'est la première fois que je la vois se mettre en colère de la sorte. J'aimerais qu'elle se rende compte que Florette essaie juste de faire de son mieux. Voyez-vous une autre raison possible qui justifierait une telle réaction ? Madame était très contrariée que Florette soit en retard. Pendant tout le petit déjeuner, elle l'a gardée à l'œil. Elle a encore beaucoup à apprendre. Merci, mademoiselle. Votre aide m'a été précieuse. Un nouveau succès. Je n'ai jamais douté de moi. Les choses deviennent plus claires. Quelle révélation! Certainement, monsieur l'agent. Je n'apprécie pas forcément ses autres œuvres, mais comment ne pas se laisser emporter par l'histoire d'un amour si fort que les amants sont prêts à tout pour être ensemble? Surtout quand vous pouvez faire un parallèle entre cet amour secret à Vérone et votre propre histoire avec votre cher et tendre. Mais je n'ai rien dit. Mademoiselle, je suis un officier de police. Découvrir la vérité est mon devoir. Je vous en supplie, ne dites rien à madame. Elle est opposée aux relations au sein du personnel. À ses yeux, cela constitue une distraction inacceptable. Mais à vos yeux, il représente bien plus. Oh, monsieur l'agent, j'ai trouvé mon âme sœur. Au départ, ce n'était que des compliments occasionnels, mais ça a vite changé. Je sais qu'une demoiselle ne doit pas accourir après un homme, mais quand j'ai su que mes sentiments étaient partagés, pourquoi n'aurais-je pas dû suivre mon cœur ? L'amour transcende les règles professionnelles et sociales. Il me suffisait de penser à lui pour rougir, mais je savais que madame ne l'approuverait jamais. Si nous voulions continuer à nous voir, notre relation devait rester secrète. Les soirées d'été sont si belles ici. Je me promène souvent après avoir terminé mon travail de la journée. Et un soir, Luc m'attendait sous le kiosque. Il était si beau. Et le poème qu'il avait préparé,
Dès les premières lignes, je me suis mise à pleurer comme une madeleine. Là, dans la lumière chaude du soleil couchant, il m'a demandé ma main. Et je lui ai donné mon cœur, sans hésiter. Oh, excusez-moi, monsieur l'agent. Je parle. Et vous avez bien plus urgent à faire que d'écouter mes divagations. On ne devrait jamais s'excuser d'une histoire d'amour aussi touchante. Mais vous avez raison. Tant que je n'ai pas trouvé le coupable, je n'ai pas fini mon travail. Merci, mademoiselle. Votre aide m'a été précieuse. Un nouveau succès. Je n'ai jamais douté de moi. Certains parleraient de coup de chance, je préfère évoquer un éclair de génie. Quelle révélation! Plus vous tardez ici, plus le voleur sera loin avec mon bracelet, mais... Allez-y, interrogez-moi. Maman n'est jamais satisfaite. Mais il faut reconnaître que Florette a tendance à ne jamais faire exactement les choses selon les instructions de maman. Et comment réagit-elle lorsqu'elle voit que Florette ne fait pas les choses de la bonne façon? Maman a mauvais caractère. Florette en a souvent fait l'expérience. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui? Elle lui criait après, et lorsque Florette n'a pas voulu reconnaître qu'elle avait pris le bracelet, maman a complètement perdu son calme. Je ne l'avais jamais vue en colère à ce point. Vous m'avez été d'une grande aide dans mon enquête, mademoiselle.
Je ferai tout mon possible pour trouver le coupable et vous rendre votre bracelet. Ah. Que faites-vous ici? Ne vous approchez pas trop, il y a toujours de la suie partout. Merci de cet avertissement, mademoiselle. Magnifique. Je ne devrais pas être surpris par mes propres capacités de déduction. Je vous dirai tout ce que vous voudrez pour prouver mon innocence. J'ai besoin... Elle n'était pas comme ça avant. Quand le vicomte était en vie, elle était plus douce. C'était lui qui dirigeait la maison. Il donnait les ordres et il nous traitait bien. Je serais partie depuis longtemps, mais ma famille ne peut pas se permettre que je fasse la difficile avec mon emploi. Je ne savais pas que vous subveniez aux besoins de votre famille. Si jeune... Mon père a perdu son travail à l'usine juste avant de mourir. Alors ma mère a dû travailler davantage. J'avais l'âge, alors j'ai commencé à travailler. Lorsque j'ai rejoint la maison Van den Bosch, le vicomte était d'une grande bonté. Il se souciait de moi et cherchait à m'aider. Il m'a donné de l'argent en plus de ma première paie, suffisamment pour que maman ne soit pas mise à la rue. Personne n'avait jamais été aussi gentil. Je ne savais pas quoi dire, mais il me demandait simplement de travailler dur, pour elle. Il m'a même permis de rentrer à la maison pour Noël et d'apporter à maman et à mes frères un colis de provisions de la cuisine. Elle a dit qu'elle n'avait jamais autant vu à manger. Elle n'a pas eu une vie facile, même avant sa mort. Papa n'était pas souvent à la maison et quand il y était, on aurait préféré qu'il ne soit pas là. Mes frères sont trop jeunes pour se souvenir de son comportement, j'espère. Lorsque je suis rentrée chez maman, tout semblait plus petit. J'ai dû m'habituer à la taille de la maison. Je vous assure que vous pourriez faire rentrer notre maison dans ce salon. On n'avait pas grand-chose, mais on s'en contentait. C'était modeste, mais c'était chez nous. Ce ne sont pas les richesses d'une maison qui font l'amour qu'on y partage. Quelqu'un devrait le dire à madame, même si elle n'écouterait pas. Je découvrirai la vérité sur ce qui s'est passé aujourd'hui, mademoiselle. Je vous le promets. Merci. Je tiendrai compte de tout ce que vous m'avez dit. «
Vraiment, monsieur l'agent, vous perdez votre temps et me faites perdre le mien. Si vous avez une question à me poser, monsieur l'agent, je vous suggère de gagner du temps et de me la poser. Et c'est comme ça qu'elle me remercie. Je n'aurai pas de répit tant qu'elle n'aura pas été justement punie. Je suis contente que vous ayez retrouvé vos esprits et que vous ayez pris conscience de sa culpabilité. Je reconnais que c'est parfois difficile, mais je vous assure que le nom de Van den Bosch conserve toute sa grandeur et son autorité. J'ai veillé à ce qu'Angeline ne manque de rien, même si elle ne s'en rend pas forcément compte. Elle ne doit rien savoir de tout ceci. Ses problèmes sont les miens. Vous faites avec ce que vous avez, et vous élevez une jeune demoiselle comme il faut. C'est déjà beaucoup. Vous n'avez fait que déranger mon personnel et ma famille. Je ne peux pas rester là à écouter ce policier de seconde zone et ses balivernes. Les choses deviennent plus claires. Thank you.
Certainement, monsieur l'agent. Vous avez trouvé le coupable ? Et le bracelet ? Tout vous sera révélé en son temps. Auriez-vous l'amabilité de rassembler tout le monde dans le salon ? Bien entendu. Merci, mademoiselle Elisabeth, d'avoir rassemblé tout le monde. Madame Van Den Bosch se joindra-t-elle à nous ? Je l'ai vue passer en coup de vent tout à l'heure, mais elle n'est pas rentrée. Bon. En temps normal, j'attendrai. Mais je crois que nous avons déjà consacré assez de temps à cette affaire. Nous devrons faire sans elle. Ce matin ressemblait à tous les autres. J'effectuais ma patrouille habituelle, jusqu'à ce que mademoiselle Elisabeth m'aborde au sujet d'un cambriolage présumé et d'un bracelet manquant. Un crime dont j'ai été accusée à tort. Je vais y venir. J'ai commencé mon enquête à l'extérieur, où j'ai vite remarqué qu'il n'y avait aucun signe d'intrusion. J'ai donc reporté mon attention vers les membres de la maisonnée. Vous, Florette, votre vie ici dans la maison n'a pas toujours été des plus faciles, pourrait-on dire. Je fais ce que madame m'ordonne. De façon à combler toutes les attentes, j'imagine. Madame est très exigeante. Je fais de mon mieux. Et vous vous attendriez au moins à être traité dignement en échange de ce travail, qu'on ne vous parle pas de façon si cruelle et malveillante. Monsieur ? Je fais référence à la façon dont Madame Van Den Bosch vous traite. Vous êtes à son entière disposition, mais elle ne manque pas une occasion de vous rabaisser. Vous parlez de ma mère, monsieur ? Attendez voir. Je ne fais que dire la vérité, mademoiselle. Pendant ce temps, mademoiselle est là et ne remarque même pas toute cette cruauté. Cela a dû vous mettre hors de vous. Je... Vous vous êtes peut-être dit qu'elle méritait une punition. Arrêtez de chercher à lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit. Je ne fais que lui donner une voix. Voix qui a été réduite au silence pendant trop longtemps. Peut-être que oui, je crois qu'elle le mérite. Tout lui a été offert sur un plateau d'argent et nous autres, nous n'avons rien. Mais... cela ne fait pas de moi une voleuse. Un mobile commence à apparaître. Vous essayez juste de me faire admettre quelque chose, mais je n'ai rien fait. Laissez-moi terminer. Je crois que la suite va vous plaire. Revenons donc à ce matin. Je voulais juste aider. En bonne amie, même si vous saviez que votre retard mettrait Madame Van Den Bosch hors d'elle, mais en ce qui concerne le bracelet disparu, cela vous donne un alibi plutôt solide. Je vous ai dit que je n'y suis pour rien. Il est absolument impossible que vous ayez pu entrer dans la chambre de Mademoiselle Angeline, pendant qu'elle s'y trouvait, avec Mademoiselle Elisabeth, et subtiliser le bracelet tout en réalisant vos tâches. Ce qui nous amène à Mademoiselle Elisabeth. Mademoiselle Elisabeth. Vous travaillez auprès de la famille Van Den Bosch depuis quelque temps, correct ? C'est exact. Vous êtes devenue proche de ces dames, mais aussi du reste du personnel, n'est-ce pas ? Bien sûr. Et j'espère que c'est réciproque. Monsieur l'agent, s'il vous plaît. Elisabeth, de quoi parle-t-il ? Je fais référence aux efforts déployés par Mademoiselle Elisabeth pour ne pas perdre son emploi auprès de votre mère. C'est la maison de madame. C'est elle qui choisit les règles. Même lorsqu'elles vont à l'encontre de la nature humaine, d'un sentiment aussi essentiel que l'amour. Je ne comprends toujours pas. Cela vaut sans doute mieux pour tout le monde. Ce n'est ni mon rôle, ni mon désir de rendre la situation encore plus incommode qu'elle ne l'est déjà. Oh, merci. De plus, ce n'est pas cette histoire qui a prouvé l'innocence de Mademoiselle Elisabeth, mais celle de Florette. Florette ? Mais elle était absente presque toute la matinée. C'est exact. Mais lorsqu'elle dressait la table au salon, elle a remarqué que, pour une fois, vous êtes arrivée seule pour le petit déjeuner. Mademoiselle Angeline n'était pas avec vous. Je ne suis pas sûre de comprendre. Je vais vous expliquer. Je me suis retrouvé avec deux suspectes ayant des mobiles potentiels. Mais en l'absence d'occasion propice pour l'une, il ne me restait que la seconde, Mademoiselle Angeline. Êtes-vous en train de dire que je ferai disparaître moi-même mon bracelet ? Toute la vérité.
Ainsi, nous pourrons peut-être tous comprendre ce qui vous a poussé à agir ainsi. Je n'ai rien à déclarer. Comment osez-vous me parler sur ce ton? Je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. Elle n'avait pas le droit. C'est tout ce qui me reste de lui. Je devais faire quelque chose. Alors vous avez envoyé Mademoiselle Elisabeth seule au petit déjeuner, ce qui vous a permis d'être seule pour le cacher. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je ne croyais pas que quelqu'un regarderait dans la cheminée. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est comment vous pensiez que ça allait se terminer. Que croyez-vous que Madame allait faire une fois au courant de sa disparition? Je ne sais pas. Je ne pouvais pas la laisser le vendre aux enchères, comme tout le reste. Mais vous pouviez accepter que Florette soit accusée? Je ne voulais pas lui causer des problèmes. Comment aurais-je pu savoir que la police interviendrait? En cas de vol présumé, il n'est pas rare d'y avoir recours. Et même après mon arrivée, vous n'avez rien dit, rien fait. C'est à cause de vos actes que nous en sommes arrivés là. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Et maintenant, vous devez les affronter. Maman, vous êtes rentrée? Bien sûr, je suis là. Et j'ai ramené quelqu'un qui va mettre un peu d'ordre dans ce chaos. Major, je peux vous assurer que j'ai le contrôle de la situation. D'après ce que j'ai entendu, c'est loin d'être le cas. Le bracelet disparu a été retrouvé et la personne à l'origine de cette disparition a été identifiée. Je sais très bien que c'est la servante qui a fait le coup et pourtant, je la vois ici aussi libre et innocente que vous et moi. Je suis sûr que Madame Van Den Bosch vous a fait part de ses soupçons, mais je crains que ce ne soit que pure spéculation. Je vous demande pardon ? Après avoir mené l'enquête, les preuves et les faits m'ont permis de conclure que... J'espère vraiment que vous n'êtes pas en train d'accuser ma fille de... Je suis désolée, maman. Il a raison. Florette est innocente. Je voulais juste vous montrer... Taisez-vous! Je ne permettrai pas que vous acceptiez que l'on vous rende responsable des actes de cette voleuse. Je crois que vous ne devriez pas oublier que vous n'êtes qu'un simple agent de police. Agent Poirot, juste un mot. Madame Van Den Bosch a dû venir elle-même m'informer. Seule, je dois dire. Des événements s'étant produits chez elle aujourd'hui. Major, sauf votre respect, elle faisait obstacle à mon enquête. La police agit peut-être ainsi en ville. Mais ici, nous montrons du respect à nos concitoyens. Vous êtes un représentant de la loi et vous devez agir comme tel. Ce genre d'insubordination ne saurait être toléré. En tant qu'agent principal, j'ai mené mon enquête et... Agent principal ? En tant qu'agent, vous n'avez guère d'autorité sur qui que ce soit, alors sur un major. Il serait sage de vous rappeler qui votre supérieur hiérarchique a coutume de fréquenter. Après ce que j'ai entendu dire de votre passé en ville, je suis certain qu'il considérerait les événements d'aujourd'hui comme un nouvel échec de l'agent Poirot. Oui, major. Maintenant, je vous suggère de faire votre devoir et d'escorter la servante au poste où elle pourra être formellement inculpée et recevoir une peine appropriée. Tout de suite. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à cela, mademoiselle. Maman avait raison. C'est toujours nous qui payons le prix des actions de la haute société. Nous ferons tout notre possible pour vous blanchir. Que pouvez-vous faire? Madame dit que j'ai commis un crime et je vais être condamnée. C'est tout. Un crime qui n'a jamais été commis. Une fois la vérité expliquée, ce tort sera redressé. Angeline n'avait pas l'intention de vous faire arrêter. Vous la connaissez. Je n'aurais jamais dû m'attendre à autre chose.
La justice n'est pas faite pour les gens comme moi. Ce que vous avez vécu aujourd'hui n'était pas de la justice. Devant la loi, vous êtes innocente. Vous avez été traitée durement et accusée à tort. Personne n'ira en prison. Ce n'est pas cela qui va m'aider dans mon travail, hein ? Là, je ne peux pas vous aider. Mais je défendrai votre liberté. Détective Poirot, j'espère que vous allez bien. Nous ne nous sommes pas vus depuis de nombreuses années, et même si je suis certaine que vos souvenirs des événements et les miens diffèrent, j'espère que la réception de cette lettre n'aura pas ravivé un sentiment d'animosité envers moi, ni envers le nom de Vandenbosch. Vous m'avez fait forte impression, et je ne vous ai jamais oublié. Cela m'a obligée à réfléchir à la jeune femme gâtée que j'étais en train de devenir et m'a aidée à devenir la femme que je souhaitais être. Vous m'avez permis de voir la fillette égoïste en moi, qui ne pensait pas aux conséquences de ses actes ou à la façon dont il risquait d'affecter les autres. Même si maman n'a sans doute pas le même souvenir de cette journée, je crois que votre compassion envers notre servante Florette et votre détermination à découvrir la vérité et à n'accepter aucune alternative illustre bien votre caractère et votre professionnalisme. Même si je préférerais que les circonstances soient différentes, votre assistance est de nouveau requise, et je vous prie de considérer la présente comme une demande formelle de vos services. Le week-end prochain devait être un moment de pur bonheur à l'annonce de mes fiançailles avec Gédéon Démire, que j'aime tendrement, rapprochant deux grandes familles, mais il est entaché par des fraudes, de l'extorsion et du chantage. Le nom de Vandenbosch est pris en otage par un mystérieux maître chanteur et je ne sais pas en qui je peux avoir confiance. Nous organisons une petite réunion pour fêter cette heureuse nouvelle avec ce que maman appelle la crème de la crème. Des personnes respectables et respectées, à la fois dans notre cercle de proches et dans la société. Nous avons toujours protégé le caractère privé de nos affaires personnelles. Alors je crains que l'un des invités soit bien la personne qui veut ruiner notre nom, mais pour des raisons que je ne peux imaginer. Veuillez trouver ci-joint un billet de train en première classe pour nos fiançailles. Ayant contacté vos supérieurs et les autorités concernées pour obtenir votre assistance, qu'ils m'ont offerte avec joie, j'attends votre arrivée avec impatience. Un véhicule vous attendra à la gare pour vous emmener directement à la résidence Mnemosyne. Je vous remercie par avance en cette période de crise. Bien respectueusement à vous, monsieur Angeline Vandenbosch.